Salut tout le monde, c'est quoi mon Agus et bienvenue aujourd'hui sur Pros avec les managers 2015 pour la carrière. Suivi Team Aeroflotte, Team Arkham Pro. Nous sommes le 25 septembre 2018. Je vous rappelle que Nibali a réalisé le triplé historique en remportant le Giro, le Tour de France et la Volta. Voilà, rien que ça. Champion du monde aujourd'hui, contre la montre. Peter Sagan, et oui je joue, et là c'est le vrai qui... Je ne me rappelais pas avoir pris la Slovaquie la dernière fois, en début de saison, mais du coup j'ai pris la Slovaquie. Ok, pourquoi pas. L'année prochaine, ce sera... on verra bien. Du coup, je suis avec Toleski, Stanislas Toleski et Peter Sagan. Pour un Spa-Francorchamps, sur le circuit en plus de Spa-Francorchamps, donc le circuit de Formule 1, donc bien vallonné. Nous verrons bien ce que cela peut donner. Allez, à tout de suite pour les championnats du monde du contre-la-montre individuel à Spa-Francorchamps en Belgique. À tout de suite. Les championnats du monde avec Peter Sagan. Allez, plus un pour Peter. On y croit. Alors ça monte fort là, ouais. Ça descend du plat. Ouh, ça monte fort, ouais. Super compliqué ce contre-la-montre. Hein. Super compliqué. Un petit fois deux. Pour l'instant, c'est Utsrutsch, l'allemand, qui est leader, champion du monde virtuel. Eh ben écoutez, c'est important. Enfin, c'est important, voilà quoi. Allez, Peter, très bon descente, hein, donc pourquoi pas. Pas mauvais en vallon, pas mauvais en contre-la-montre non plus, hein, très bon sur le plat. Donc je me dis au final, pourquoi pas Peter. Il grimpe plutôt bien aussi, donc... Qui est présent? Et eh ben vous le voyez, c'est rapide, hein, vous mettez pause. Voilà, mais oui, Tom Dumoulin est là, hein, par exemple. Tony Martin n'est pas là. Micha Katoski est là. Allez, attention, première inter. Quatrième à 24 secondes. Johan Payot qui ne fait que cinquième, le vainqueur de la dernière étape du Tour d'Espagne. Ouais, là, il faut profiter des descentes, on est assez bon. Enfin, on est très bon. Là, on va encore enchaîner. Montée, descente. Toujours l'allemand. Ruf, Rich. Rich. La Team Giant. Leader. 30 secondes d'avance, quand même. Ça ne bouge pas pour l'instant. Rafał Majka, tiens, qui est là, 6ème. 14 Betancourt, 9ème. Brajkovic, qui est là aussi, 8ème. Donc, il y a encore 10 bornes à parcourir pour. Peter Sagan, attention, deuxième inter. 9ème, oula, 1.38. Ça fait mal. Ça fait mal. Aucun changement, toujours. Hein, si vous que Kelderman est là, 4ème. Allez, 5 derniers kilomètres pour Peter. Oh, je crois pas trop, hein, ce championnat du monde là. Bon, après, voilà. On verra un peu plus sur les tapes en ligne. Et encore, hein, Peter ne sera pas assez fort, je pense. Contre les autres, ouais. Plus qu'à espérer que ce soit quoi que j'aime bien. Ou notre ami, un ami de la Team Arkham qui l'emporte. Allez, donnez un kilomètre pour Peter. Il commence à pleuvoir, tu vois, attention. Le circuit, et oui, on voit que c'est un circuit là. Et on finit très fort avec Peter là sur du 4%, c'est pas mal. Allez, Peter. 7ème temps, bon, bah écoutez. On va mettre un petit foie, donc lui non. Mullen peut-être, Mullen. Oula, 29ème, 18ème, ouais, il est loin. Zundili est loin, 39,
19-30. 7ème, attention. Peut-être, voilà, Roman Kreuziger, peut-être. 5 km. Toujours l'allemand, il est en tête hein, pour l'instant. Toujours virtuel le champion du monde. Il est toujours là, l'allemand, que je ne connais pas. Allez, bientôt l'arrivée de Roman Kreuziger. Qui va en terminer. Il en termine 7ème. Donc lui n'ont qu'une chance. Lui attention peut-être avec l'Autrichien Brundle. Attention Brundle. Non, il est 8ème, il est loin. Il est loin aussi, Zaguirre. Mallory, attention, non, il est loin. Oh là! Vorobiev, le russe! Vorobiev, attention. Vorobiev. Ou deuxième, 29 secondes, il est loin! Très loin. Fleckmore, le spécialiste du contre-la-montre. L'Australien, attention. Il me paraît loin. Et oui, cinquième. Bon, c'est bien, mais voilà, cinquième, attention là, l'Américain, Eisenhardt. Quatrième, oh là, l'Allemand en train de faire une grosse performance, Uetsch-Rötzsch. Chris Froome, septième seulement, attention, Katowski, ouais, Katowski va gagner. Et non, troisième seulement! Oh là, encore un Allemand ici. Nouveau temps! Robin Barral! Et Tom Dumoulin, dommage, oh là 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 là, on y a cru, Robin, campé, champion du monde à 2 secondes près, ben non, Tom Dumoulin, champion du monde, le néerlandais. Ah, dommage, le petit Robin, le français, je ne m'y attendais pas, je ne le connais absolument pas du tout. Romain Barral, 82 chrono, 77 montagnes, 77 montagnes, 82 chrono. On sent c'est un plat par contre, hein. Le reste est pourri, mais waouh. Eh bien, Tom Dumoulin. Vainqueur, victoire de Tom Dumoulin. C'était quoi les autres classements? Tom Dumoulin, Tom Dumoulin, Tom Dumoulin, Tom Dumoulin. Ok, donc 2015, 2016, 2017, 2018. Tom Dumoulin à chaque fois. Ok, bah écoute, il confirme. Voilà les amis, c'est une vidéo très courte, je le sais, mais voilà, c'était les champions du monde du contre-la-montre. Rendez-vous la prochaine fois pour eh bien, les champions du monde en ligne. Je rugby sur toujours la Slovaquie, sur Peter Sagan, au cas où nous ne savons pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bye bye tout le monde.